Bonjour, je m'appelle Jaris Levy. Bonjour, moi c'est Joris. Bonjour, moi c'est Sarah. Nous sommes étudiants à l'école secondaire Jean de Brébeuf, une école qui est située dans le quartier Limoilou à Québec. On aimerait vous parler d'un projet qui a été réalisé par les élèves de notre classe. Le projet s'appelle Bismuth et c'est une coopérative qui a été démarrée pour répondre aux besoins de notre école. On s'est rendu compte que beaucoup d'élèves venaient à l'école sans avoir déjeuné et qu'ils allaient s'acheter des collations ou des dépanneurs comme des chips, des bonbons, des biscuits. Alors on s'est demandé comment on pourrait leur offrir une collation qui sera nutritive, économique et qui pourrait s'acheter dans l'école. Alors on a eu l'idée de fabriquer des smoothies et de les vendre pendant les pauses. Pourquoi? Parce que les smoothies c'est bon pour la santé, ça coûte moins cher et c'est facile à fabriquer. En plus d'être 100% naturel, nos smoothies sont super écolo parce qu'on a adopté une politique zéro déchet. C'est pas compliqué, les gens viennent nous acheter un verre qui est réutilisable. La prochaine fois, ils viennent nous acheter un smoothie. Puis le smoothie qui reste, on transforme ça en pops. C'est la grande nouveauté et c'est très très populaire. Dans notre classe, tout le monde participe au projet. Chacun à sa manière, c'est facile. On se divise le travail de façon équitable. Par exemple, il y a des élèves qui trouvent de nouvelles recettes de smoothies et des autres qui font la commande pour l'épicerie. Il y a des élèves qui s'occupent de la production et d'autres qui s'occupent de la vente. On a même des horaires de travail affichés sur le mur de la classe. On a formé un comité du marketing qui ont dessiné un nouveau logo, qui font des affiches et ils s'occupent des réseaux sociaux. On fait des activités de promotion comme des dégustations gratuites, des coupons du bureau et des tirages. Bref, notre projet fonctionne parce que tout le monde met la main à la pâte. C'est un travail d'équipe et c'est la clé de notre succès. Comme le dit le proverbe africain, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.